premier de l'histoire. Alors suite au 1er mai, la fête du travail, les manifestations, Axel, vous vous êtes demandé d'où viennent tous nos acquis sociaux. Mais oui. Et surtout, depuis quand sont-ils acquis? Pour répondre à cette question, vous êtes parti en Égypte pour nous parler de la première grève de l'histoire. Oui, nous partons en Égypte, mais pas n'importe quelle Égypte. L'Égypte du pharaon Ramsès III. Oh. On est en moins 1166 sous un soleil de plomb, à la fin de l'époque que les historiens nomment le Nouvel Empire. Ça en jette, hein? Oh. Mais ce qui en jette aussi, c'est les salaires des ouvriers. Parce que oui, ce sont pas des esclaves, mais des ouvriers qualifiés qui bossent pour bâtir les temples, les pyramides ou encore l'hôtel de ville d'Alexandrie. Ces ouvriers, ils sont payés en nature, c'est-à-dire en nourriture, mais aussi, oui, en nourriture, Lucas, mais également en bière. Alors bien sûr, avec modération, parce que ça peut être un peu dangereux, mais plutôt un bon deal, vous y conviendrez. Hein. Voilà, je te fais un petit tombeau bien stylé pour tes funérailles, et en échange, tu fournis les Pringles et le fût de bière. Parfait, parfait, enfin parfait jusqu'à ce que tu me payes, parce que oui, la corruption est légion dans les administrations du pharaon. En plus d'arriver avec de plus en plus de retard, les rations des ouvriers sont de plus en plus dégueulasse, c'est-à-dire que voilà, la qualité est toute pourrite, donc les gars ils sont en mode « Eh oh, ça va bien les élites corrompues là dans leur temple qui bouffent des homards gratuits, bande de tartuffes !» Alors là, les ouvriers ils en ont marre, et quand il y en a marre, on se barre. Les gars lâchent leur poste, leur pioche et leur pelle, ils refusent de bosser, ils vont même occuper des tombeaux d'anciens pharaons en mode gilet jaune sur la tombe du soldat inconnu. Ouais, mais ils sont là, mais vraiment comme dans Astérix et Mission Cléopâtre, hein. Pas content. Là, c'est la panique dans tout le royaume. Ah, mais par Osiris, comment on va les renvoyer au travail? Il faut réprimer cette rébellion par la force. Mais enfin, mon beau-fils, on a besoin d'eux. Et là, il y a une fille qui débarque. Eh les gars, j'ai une idée. Et si on leur versait leur salaire? Oh. Maman Blanchisse, vous êtes un génie. Je ne savais pas que vous étiez aussi vieille. Au bout de 6 mois de grève et de tension, les autorités ont finalement accepté de mieux payer les ouvriers. Les chips et la bière étaient revenus avec modération, toujours, c'est important de le dire. La toute première grève de l'histoire était alors terminée. Merci, Axel. Débat, musique, bon plan. C'est Time Break en direct sur Émerger.